Salut à tous, c'est Infinity pour une nouvelle mission en mode normal sur la campagne de Legacy of the Void. Voilà, donc on est là, on va sur le noyau solaire, on a des discussions, on kiffe les discussions, nous on aime ça, voilà. Alors, c'est parti, lance Zadoun, on y est, voilà, on est là. Alors, voyons voir, qu'est-ce qu'on a? Surcharge du Nexus, permet au Nexus d'attaquer automatiquement toutes les unités proches, elle affiche 20 points de dégâts. Capacité passive. La lance Zadoun collecte automatiquement le gaz Respen. Alors ça c'est OP. C'est totalement OP, donc du coup je vais le prendre, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise. Du coup voilà. J'aime bien quand ça se récolte tout seul le gaz, parce que c'est vraiment cheaté, je trouve. Voilà. Commanderie. Forcément. On a été. Les combattants camouflés sont parés au déploiement. Alors, Templier Noir, ou Vengeur. Templier Noir, Fureur de l'Ombre. Templier Noir saute de cible en cible, impulsant dans le bondé. Ça se fait tout seul, franchement c'est cheaté. Voilà, j'ai l'impression en fait. Fais voir là. Ah non, ok, d'accord. Oh, ça s'est cheaté. Rappeler vers un sanctuaire noir en cas de mort, bénéficie d'un camouflage permanent. Ah, ah, c'est totalement pété. C'est totalement pété. Ah ouais, non, mais c'est cheaté. Mais je préfère. Non, ça c'est pas mal, je vais le prendre. Je vais le prendre, ça. Allez, ça a l'air vraiment cool, sérieux. Bon, voilà. Cool. Bonjour, madame. Et au revoir. Récompense bonus 10 unités solarites. C'est cool. Le monolithe, on gagne. Et voyons voir. Terre sacrifiée. Détruire toutes les pierres zénitales au cours des 10 premières minutes. D'accord. Bon, on va dire qu'on a 10 minutes. Et admettons que si c'est pour le truc. Comment dire, secondaire, ça peut le faire. Si c'est pour la mission principale, on a que 10 minutes. Voilà. Résister jusqu'à ce que 1,8 milliard de Zerg infestent la planète dans la mission Terre sacrifiée. J'ai l'impression que ces OFE ne sont pas compatibles. Détruire toutes les premières, toutes les pierres zénitales au cours. Si je casse. On va voir. Si c'est au fait, si c'est au fait, ne sont pas compatibles, je ferai une vidéo spéciale, bien sûr, hein, vous le savez. Ils m'ont l'air vraiment pas compatibles. Il y en a un qui a l'impression qu'il faut finir la mission au moins 10 minutes. Enfin, bah, vu que je ne sais pas, vu que c'est un playthrough, voilà, je peux pas deviner. Il y en a un qui me donne cette impression de finir la mission au moins de 10 minutes. Et il y en a un qui me donne l'impression qu'il faut résister pendant 107 ans. Voilà. Donc, clairement, ça m'a pas l'air d'être super long non plus. Ça a l'air d'être une mission de défense. Je suis pas vraiment fan des missions de défense en Protoss. Parce que, bah. C'est chiant, quoi. Après, on a des nouveaux bâtiments de défense. Ça a l'air. Waouh! Zerg sur chaque aura. Oh, ça monte vite. Résister à 1 milliard de Zerg. Donc dans les 10 premières minutes. Voilà, tout simplement. On va faire ça pour le moment. Parce que ça m'a l'air d'être la meilleure option. Vous avez bien vu ce que j'ai fait, j'espère, hein, parce que bon, en même temps ça a pas l'air d'être compliqué. J'ai envoyé un DT dans chaque zone. Quand vous attaquerez les pierres zénitales, leur destruction peut rendre l'énergie qu'elles contiennent très volatile. Du coup, on a des gaz automatiques, ça c'est cool. Oh, c'est trop beau! Quand c'est, comment c'est fait, c'est trop beau. Non, mais je sais pas, je suis. Toutes les 3 secondes, portée 13. Oh là 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 là, ça va, c'est pas totalement pété ça. Non mais. Ça va être biv. Bivien. Bref, ça va être génial. Du coup on va faire des pylônes de défense.
D'accord. Nous pourrions construire un second Nexus à proximité afin d'accélérer leur récolte. Ouais ouais, mais pour le moment je suis en train de faire des sondes. Là j'en ai deux. J'en ai trois qui sont morts. J'ai trois d'étés morts en fait, ok, d'accord, c'est sympa, j'aime bien. Même concept. Bon, on va y aller hein. On va juste faire gaffe. J'aurais su. Voilà, bon, vous le savez, tombez pas dans le piège hein. Oh, 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 j'avais pas vu, vite. On revient à la base. Ça, ça a l'air de prendre cher. Une autre couvée de zerg se prépare à attaquer depuis une rue au nord-ouest. Ah, ça coûte cher, ça c'est clair. On va voir comment ça se dégoupille. Pour le moment, ça se dégoupille pas trop trop mal. 10 minutes, ça se fait large. Et quand il dit des trucs anormales, je comprends mieux maintenant. Genre, c'est pas normal, c'est totalement agressif. Genre, je sais pas, c'est vraiment énervé en fait. Ouais, faut vraiment tanker ce ultralisque là. Ouais, je suis un petit peu à tâtons, on va dire ça comme ça. En mode je tâte un petit peu. Je sais pas trop comment faire. Nos observateurs mentionnent qu'un grand nombre de zergs s'est déversé sur chaque race. Et pourtant, pas un seul hybride en vue. Amon met notre détermination à l'épreuve. Ouais, donc là on est large hein, parce que c'est avant les 10 premières minutes et bon bah on va y être, faut dire les choses comme elles sont. Hein. On va y être aux 10 premières minutes. Bon allez, on va défendre ça parce qu'on est vraiment bien. Franchement ouais non je suis ouais, pour l'instant ça va quoi. Non, les hauts faits sont pas compliqués de soi, m'en prendre en mode normal hein, vous le savez. Le mode difficile c'est souvent plus compliqué, le mode brutal aussi. Donc faut résister à 1,8 milliard de zerg. Sans bombe, faut les défendre. Ouais, c'était un petit peu bizarre et suicidaire. En termes de sonde, je pense qu'on peut s'arrêter. Ouais, qu'on pourrait monter encore un peu, mais... pas l'air d'être très utile de monter plus. Pour l'instant, on est bien. Je pourrais même envoyer des troupes de DT pour... ouais, ça pourrait être sympa, je pense. Pour voir. Ok, c'est BD. Ouais, on va essayer d'en faire deux.
Matrice bouclier, c'est quoi? C'est bébé. Ça doit régénérer les... Ah, ça peut être sympa, ça pourrait faire de la défense un peu OP, je trouve. Ah, mince. Voici. Je pense que ce projet il coule. On va refaire des sons. Ça régène bien le bouclier. Unité au bâtiment ciblé, ça c'est nickel. En théorie, ça devrait bien se passer. Je crois que je peux en placer un là, j'espère. Non, on ne peut pas. Bon, bah, il ira là. Voilà, bon. On a arrêté de couper son souffle. Ah, maintenant on se détend parce que ça va se passer easy. Ah non, j'ai oublié là. Oh, mince. Lol. Ah, il y en a deux. Laisse-moi tranquille. Oh, don't stress. Wow, don't stress, gang. Yeah, 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 you know that. You know what I mean. Yes. Bon, ouais, on peut warp ça, on va warp ça. Ah, c'est, ah, mais ça, c'est vraiment cheaté, c'est vraiment bas. C'est vraiment génial. En mode... No. 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 Oh, c'est génial. Ça. Oh, c'est totalement génial. Enfin, donc cette troupe mobile hein, qu'on fait souvent dans les trucs de défense où on peut défendre tranquillement. Pour l'instant, je trouve que cette mission est vraiment cool. Franchement, hein, elle est super sympa, super originale, j'aime beaucoup. Les singes, bon, la campagne, elle est juste géniale. Léo fait, franchement, voilà. Je pense que les 2 milliards de zerg, on va les atteindre easy. Juste pas que je fasse le con, parce que je pense qu'en fait, je peux envoyer en fait un moment le mode un peu énervé. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense que c'est à moi de décharger le temple, ou je sais pas quoi, ou alors faut que je me laisse crever, j'en sais rien. C'est un peu leur kiff, ça, les protos, se laisser mourir, je sais pas trop ce que c'est. Bon. S'ils aiment ça. On va déployer hein, pour un pilote là, tiens, hop. Bon. Et hop. Ouais ouais, c'est attaqué. On n'a rien sans lit. On va faire des gates parce que bah c'est... Parce que j'ai une com de barbo. En fait j'en ai rien à faire des dominants, c'est un truc de fou. Il y a l'ultra là qui fait peur. À deux en fait. Vous n'avez pas assez de minerai. Ouais. Je suis là. Votre base est attaquée. Mais lol. Ok, d'accord. Non, mais je dirais rien sur ces matrices de boucliers là. Oh, j'ai oublié d'Alfic. Je dirais rien sur ces matrices de boucliers totalement cheatées. Ouais, c'est bon. Je suis là dans les ombres. C'est la campagne où on a le plus d'aide. C'est un truc de fou. Les bâtiments sont les plus pétés, c'est pas possible, genre les warp et tout, non mais c'est un peu, c'est presque pas réglo quoi. Je me plains presque pour les autres quoi. Oh le gros circle bien énervé des protos, enfin des protos, bordel, qu'est-ce que je suis bête.
tracker. Hein? What the fuck? Comment il est beau? Comme t'as dit, c'est une abomination. Lol, la régénération. Non, la régénération qu'offre les champs de boucliers, c'est un peu cheaté, je trouve. Je sais pas si vous avez vu, lui, il prenait des patates. Il perdait 20 boucliers par seconde. Et ben, il est en train de régénérer comme un fou. Bon alors là, je pense que vous avez le temps de prendre un café, siroter tranquillement, parce que pour monter à 1,8 milliard, on a du boulot à cette vitesse. Hein. Là, clairement, en plus, je peux faire des compositions full d'été, en fait. J'ai un peu d'utilité. Pour faire des pylônes au cas où j'en perds. Par je ne sais quel... je ne sais quelle magie, maladie. Ah! Oh! Ça fait une brèche là? Blague? Moi non fait. Je suis presque déçu. Ça va, c'est easy. Montrons notre fureur. Ouais. Voyons voir, est-ce qu'on a une multiple... Oh là, tout ça attend. Ah, il est pas à portée, c'est pour ça. C'est de gruger en passant sur le côté, c'est un truc de fou. Ah les gardiens, l'ancienne. Un peu trop énervé à mon goût. Enfin des DT, enfin des vengeurs. On appelle ça des vengeurs. Oh là là là, ça fait mal ça. 100 de dégâts. Allez, presque 1 milliard. Eh oui. Notre base est attaquée. Ah.
passer à 1,5 milliard, faut monter à 1,8. Je pense que ça se fait easy. Pourquoi il y a des zones qui résistent moins bien que d'autres? Je comprends pas. Peut-être parce que ouais, les batteries de bouclier sont un peu HS. Oh, ça va, c'est assez easy en fait. Ça va, ça saisit. Je suis un petit peu concentré parce que il y a un côté qui est en train de prendre super lourd quoi. Il sert un peu à rien. On peut surcharger le temple en fait dès qu'on en a envie. D'accord, donc on peut monter à 1,8 milliard. Ouais, donc ça va me faire laguer un peu à beaucoup, je pense. Même si je pense que c'est pas le nombre d'unités qui vont être là, hop là. Le petit blink out, les vigilants commencent à arriver. Voilà, donc là, bon bah faut attendre. Hein. On montait à 1,8, alors là vous pouvez largement AFK, parce que franchement, mais même moi là, ça m'ennuierait à votre place, regardez ça. 1,8 milliard, on est loin quoi. Ça monte pas si vite que ça, c'est un truc de fou. Oh. Ça y est. Il essaie de... Ah ici, ils arrivent à rentrer. Nexus il prend, ouais, il prend. Il prend façon de parler. Hein. Ce côté commence à me faner, je vais aller le réduire en cendres. Ouais, en fait, non, on va pas faire le fou. On va pas aller faire le fou là. On va avoir des unités aériennes. Oh, il est resté à 1 PV. Il était chaud, lui. Hein. Ouais, quand on voit tout ce qu'il a subi, le gars. Ouais. Je suis la voix des sons. Eh bah dis donc. Allez, amusons-nous. Alors, là, là, et là, voilà. C'est génial. À ce côté, il commence un peu à m'embêter quand même. On va essayer de faire du focus fire un peu. J'ai pas plus d'unité. C'est plus de ce côté là. En vrai, ça monte plutôt vite à partir de d'un certain point. Franchement, c'est. Alors, on va monter à 1,5, là on va réussir l'objectif bonus qui était en soi vraiment facile. Là, les choses comme elles sont, hein. C'était simple. On a un côté qui est en train de prendre cher.
à ce côté, il a pas envie de... Voilà, bon, 1,5, il n'y a plus qu'à attendre à monter à 1,5. Alors, on continue. Bon, y a un côté qui tient vraiment bien. Non, ouais, bon, bah c'est bof, mais bon, pour être pire. Il y en a deux qui sont en train de souffrir. Faut bien les choses comme elles sont. Bon, là, ça commence à devenir un peu intéressant quand même. Oui, ça commence à être intéressant là. Si jamais vous n'êtes pas parti, vous avez pu constater que la difficulté est un peu augmentée. Bon, après, c'est pas sans surprise. Tant que le temps ne supporte pas trop de dégâts, moi ça me va. Pour le moment, c'est assez easy. On continue à défendre comme ça. Bon, voilà, vous avez vu que là, il va falloir commencer à défendre le temple à la source. On est bientôt à 1,8. Bon, ça commence à piquer quand même. Hein. 0-0 et tout. Mais ça pique. Allez, on est bientôt arrivé. Ouais, bah ça va tomber très vite, j'ai l'impression. Bon, ça va être compliqué. Et voilà. Bon, vous avez vu que c'est... Bon, au final, c'était pas si facile que ça. Je pense qu'on aurait... En fait, si ça aurait été plus facile... Ça aurait pu être plus facile si j'avais renforcé les défenses au niveau des bâtiments, tout ça. Vous avez vu en tout cas que ce offense n'était pas si simple. J'ai un peu galéré, j'avoue. J'avoue que j'ai vraiment galéré même. Et que bah c'est pas quelque chose que je m'amusais à refaire. Je pense que j'aurais fait des immortels, ça serait peut-être mieux passé. Voilà, donc cette mission est un succès. Et puis bon, 33 minutes tout de même. Un peu dans la douleur, faut dire les choses, parce que c'est clairement la douleur. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo de la campagne en mode normal. Salut, salut !